Pour Noël, Carol Middleton a décidé de mettre les petits plats dans les grands. Pour gâter Kate Middleton, sa mère a fait du shopping dans l'une des boutiques favorites de la duchesse. Chez les Middleton comme dans les autres familles, les fêtes de fin d'année se préparent. Dans une dizaine de jours, la duchesse de Cambridge retrouvera ses parents pour célébrer Noël comme il se doit. Et il se pourrait bien que l'épouse du prince William soit particulièrement gâtée cette année. Car comme le rapporte le Daily Mail, Carol Middleton a récemment fait une sortie shopping qui veut dire beaucoup. Elle a en effet été aperçue dans Sloane Street, à Londres, là où se trouve Cassandra Gaud, l'une des bijoutières favorites de Kate Middleton. D'après le tabloïd, la mère de la duchesse a passé du temps à examiner certains des colliers de la créatrice qui peuvent aller de 100 livres à plus de 33,000 livres, soit de 120 euros à près de 40,000 euros. Mais pour combler sa fille, il n'y a pas de prix. La duchesse est depuis longtemps une fan de la joaillière de luxe britannique connue pour ses créations innovantes et a souvent été aperçue portant ses pièces lors d'événements royaux, notamment l'une de ses paires de boucles d'oreilles lors du baptême du prince Louis. Pour les fêtes de fin d'année 2021, Carol Middleton compte surtout combler sa famille. Sa fille donc, mais également ses petits-enfants, les enfants des Cambridge et ceux de Pippa Middleton. Cette année encore, nous prévoyons d'avoir deux sapins de Noël, un pour les enfants à décorer et un que je fais moi-même, expliquait-elle sur le compte Instagram de son entreprise, il y a quelques jours. Il faut dire que pour Carol Middleton, la famille est la chose la plus importante. Kate et William, que vont-ils faire pour Noël? Pour moi, ce qui compte vraiment, c'est que ma famille se sente connectée, a-t-elle confié l'année dernière. Je laisse normalement mes petits-enfants m'aider à décorer le sapin. Cette année, je leur demanderai par appel vidéo de décider quelle décoration doit aller où. Il faudra peut-être la réaménager avec goût plus tard. Et cette année, puisque les familles seront normalement autorisées à se réunir, Carol Middleton pourra donc admirer les talents de décorateur de ses petits-enfants. Quant au prince William et Kate Middleton, avant de pouvoir retrouver leurs proches, ils ont fait plaisir à leurs fans en dévoilant une adorable carte de Noël. D'ici quelques jours, ils feront donc la fête avec la famille de Kate avant de retrouver Elizabeth II sur le domaine de Sandringham.